Il nous reste un match à gagner. Néanmoins, il y a la bière. Une finale devant nous. Cette qualification, c'est pour nous, c'est une finale et ça va être historique. On joue avec le cœur, avec la tête. Ce n'est pas le Stade Malien seulement, c'est le Mali et tous les Maliens derrière nous. Ils font tout pour nous. Et Dieu merci, on va se qualifier. Cette joie, on ne peut pas la qualifier ou l'imaginer dans la mesure où c'était historique pour le club. Je dirais pour le Mali, c'est vraiment une grande fierté car c'est la première édition pour laquelle on se qualifie pour la balle. Pour le club, forcément, c'est un grand exploit car c'est l'accomplissement d'une saison, d'un travail acharné. On a eu des hauts et des bas. Maintenant, on va continuer sur cette lancée pour... aller à Dakar et se qualifier pour aller à Kigali si possible. Et cette qualification a dynamisé encore les jeunes qui veulent toujours participer à cette compétition de balles. En termes d'exposition, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que c'est vraiment quelque chose qui va montrer une grande vitrine pour les joueurs africains et pour les pays africains aussi. Parce que dans ce continent-là, on a des joueurs très talentueux et je pense que ça peut être qu'une bonne publicité pour le continent et pour les clubs africains. Bon, on est optimiste, on est engagé, on est déterminé, on sait d'où on vient et c'est pas facile, mais on peut le faire et on va le faire, Inch'Allah.